Alors la moto est revenue du sablage, j'ai commencé à faire de mettre de l'anti-rouille avec toutes les pièces. Ça, je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai une bosse à récupérer ici et j'attends le truc que j'ai commandé. Bon, là il y a les roues. Ça, c'est le garde-boue avant que j'ai un peu traité, recollé. Et par contre, sur le cadre, bon, voilà la brasure qui existait déjà, elle n'est pas jolie. Mais ici, surtout ici, j'ai une grosse fente. J'en ai déjà traité une de ce côté. Là, maintenant, il me reste plus qu'à souder ce côté-là. Je vais petit bout par petit bout pour pas que le cadre travaille trop. Donc je refroidis au fur et à mesure. Dans l'immédiat, ça devrait être bon. Je vais passer au meulage. Voilà, le cadre est peint. Et le garde-boue avant. Maintenant, quand tout sera sec, eh bien, on va pouvoir continuer la peinture. J'ai décidé de peindre le réservoir aussi, enfin de mettre l'anti-rouille, parce que je me suis dit que le trou, ça allait se faire avec l'appareil qui se fait pour les carrosseries, donc soi-disant sans enlever la peinture. Donc qu'il y ait de la peinture ou pas, ce sera pareil, et surtout il va pas rouiller. Alors là, c'est la pédale de frein arrière, donc il faut que j'en fabrique une. Donc j'ai un bout de tôle qui est moins épaisse quand même. Sinon, j'ai du tube qui est à peu près la même épaisseur, mais il faudrait que je l'ouvre. Donc je vais voir ce que je vais faire, l'un ou l'autre. Quelques coups de marteau plus tard, le bout de tube est devenu tôle. Elle est quand même un peu moins épaisse que la pédale normale, mais elle est toujours plus épaisse que le bout de tôle que j'avais. Donc ça va le faire. Maintenant on va tracer et découper. Ouais, c'est tracé. Maintenant découpage. Voilà, brut de découpage. Maintenant il va falloir meuler. Voilà la découpe. Il ne restera plus qu'à faire les trous. Je vais faire les trous avant de plier. Ça va être plus simple. Et je vais me faire un gabarit à plat surtout, si on doit en refaire une. Voilà ma nouvelle pédale. J'ai plié, en fait j'ai chauffé le métal avec un décapeur thermique, comme ça il s'est plié plus facilement. Il me manque plus que trouver un fer rond de 10 pour le souder ici. Voilà, avec un petit perçage pour la goupille. Voilà, j'ai trouvé une vis de diamètre 10. Et je l'ai coupé. Donc ce qui donne ceci. Voilà. Et ça qui va là.
Simplement, maintenant, je vais souder le petit bout là-dedans. Et il faut que je fasse un petit perçage avant pour la goupille. Donc voilà le fer rond soudé. Donc le trou, il fait plus de 2 mm comme à l'origine, parce que j'ai pété tous mes forêts de 2 mm. Donc il fait 3, 3,5. J'ai pas pu faire mieux. Voilà, soudé. Maintenant, il n'y a plus qu'à meuler et puis mettre l'anti-rouille. Voilà ma pédale de frein avec l'anti-rouille. Prête à poser.